God has truly blessed us in this series of how to conquer spiritual battles. Today we will continue on the topic of recognizing and defeating demonic activities. So Divine Grace Gathering family and friends, please help me welcome the preacher of the day, Prophet Rema Goy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Aidez-moi s'il vous plaît. Please help me. À saluer votre voisin. To greet your neighbor beside you. Dites-lui que Dieu le bénisse Please, abondamment. Tell your neighbor, God bless you, my neighbor. Que Dieu lui fasse beaucoup de bien. May God do you good. Amen. Amen. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu may ensemble. May we all stand to read the word of God in honor of the word of God. May we all stand, please. Aujourd'hui, j'aimerais. Today, I would like. J'aimerais un peu enseigner. I would like to teach. Avant qu'on puisse prier. Before we pray. C'est très important. Alors comme je perds souvent certains mots en anglais là, je vais y aller en français et je serai traduit so, en anglais. It will be going French and I'll be translating in English. J'aimerais que nous puissions tous ensemble ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 11, versets 21 à 26. We are in the Gospel of Luke 11, 21 to 26. J'aimerais qu'on le lise à haute voix, chacun dans sa version. I would like us to read loudly. Mais moi en France, moi au micro, je lirai en français. You will be reading in French. Et chacun va lire dans sa version, de 21 à 26. 1, 2, 3. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Regarde un peu ton voisin. Look at your neighbor. Dis-lui. Tell your neighbor. Si tu chasses les démons. If you cast out demons. Mais tu ne fermes pas la porte. You don't close your door. Tu vas empirer ta situation. Your situation will become worse. Regarde encore l'autre voisin. Look at your other neighbor now. Turn the other side around. Dis-lui. Tell your neighbor. Voisin. Neighbor. Même si tu pries pour la délivrance. Even if you pray for deliverance. Si tu continues à ouvrir les mêmes portes. If you keep opening the same door. Les mêmes démons. The very same demon. Reviendront. Will come back. En grand nombre. In a big number. Et ta situation. And your situation. Sera plus pire. Will be worse. Prenons la deuxième lecture. The second scripture. Genèse chapitre 1. We are at the book of beginning, Genesis 1. Verset 1 à 3. 1, down 1 to 3. On peut le lire ensemble à haute we voix. May read it together, please. Au commencement, Dieu God créa God les cieux and et earth. La terre. La and terre était informe et vide. And void. Il y avait des and ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Upon the face of the water. Dieu dit and God said, que la lumière soit let there be light. Et la lumière fut. And there was light. Revenons un peu au premier verset. Let's go back to the first verse. Au commencement. At the beginning. Ça parle de quoi? What does it speak? Beginning. Ça parle de quoi? What is it talking about? At the beginning. La création. What is it talking about? Creation. Hein? Avant. Before. Je vais vous aider. I will help you. Au commencement.
At the beginning, on parle du temps. They are talking about the time. Dieu créa les cieux. God created heaven. Espace. Comment? Espace. It's a space. Oh, in a space, yeah, in atmosphere. Et la terre. And the earth. Matière. And material. Quelqu'un dit avec moi. Are you with me? Quelqu'un dit avec moi. Somebody say with me. Temps. Time. Espace. And the space. Matière. And material. Dis encore temps. Time. Espace. Space. Matière. And material. Aujourd'hui, je vais vous enseigner, vous allez comprendre comment on peut dominer. You comment understand tu how peux to overrule. Identifier quel type de combat, à quel type de combat tu t'adresses. How can you identify et comment tu peux conquérir the fight ce combat. That you have and how to overcome them. Mais retenez ces éléments. But I want you to keep this. Temps, the time, espace, the space, matière. And the material. Éphésiens chapitre 6, we go in the book of Ephesians 6, verset 12, c'est la dernière lecture. That's our last readings, Ephesians 6. Éphésiens 6, 12. Ephesians 6, 12. Je vais encore le lire en français, mais ceux qui ont des versions English. Peuvent le lire aussi dans leur version. You can read it in your own version, la your Bible own dit, the Bible says, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, against flesh and blood. Mais contre les domination contre les autorités, powers, contre les princes de ce monde de ténèbres, of the world, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. High places. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. You may take frères. Your seat, brethren. Alléluia. Amen. Les deux dimanches qui sont passés, last two Sundays, je me suis attelé sur quelque chose de très important. I emphasize on something very important. Si je peux résumer toute ma prédication du dimanche passé summarizing my two last et du dimanche week, d'avant, my two last weeks, je nous ai parlé de comment on ouvre des fois des portes par le sang. I showed you how sometimes you open doors through blood. Et nous avons lu ça dans Lévitique chapitre 17 verset 11. We read that in the book of Leviticus. 17, 11. 17, 11. La Bible dit l'âme de toute chair est dans le sang. The Bible says the soul of every being is in his blood. C'est comme ça que je nous disais. That's what I was telling ton esprit you. A été sauvé dès le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Your spirit was saved from the day go when you gave your mais life to Jesus. Mais ton âme est en train d'être sauvée. But your soul. Ton âme est en train d'être renouvelée. It is in the process plus of being renewed. Plus tu es en train de la nourrir avec la parole as de Dieu jour après God, jour. As you hear the word of God, your soul is being renewed. Mais ton corps, but your body, il sera sauvé shall be saved, le jour qui va revêtir l'incorruptibilité. The day that it shall quand Christ, have incorruptibility, quand when Christ Jesus reviendra. Will come to take us. Alléluia. Amen. Vous me comprenez jusque are là, we, n'est-ce pas? Are we there? C'est très important que nous, chrétiens, nous puissions comprendre cela. It's very important nous, that we understand nous allons that. Arrêter de nous battre sur certaines choses. Then we will identify our battle and stop fighting for oh, useless non. things. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Christ, les choses anciennes sont creature. Passées, toutes choses sont everything devenues nouvelles. Oui, toutes choses yes. sont devenues nouvelles. Oui. Everything is new. Mais tu n'es pas redevenu bébé. Pourquoi? But you are not becoming a new tes born. Cheveux blancs ne sont pas redevenus noirs. Your pourquoi? Gray hair like mine la dent qui avait disparu. Everything that scars comme nous autres, on n'en a plus 32, on a 31 et demi. You don't have any more 32 teeth. It's now 31, 30s. 31 and half. And half. La dent ne redevient pas nouvelle. Teeth, tu deviens nouvelle créature. You are a new mais creature. Pourquoi ton corps ne redevient pas but nouveau? Why your body pourquoi does cette cicatrice-là ne disparaît that pas? Scars you have doesn't go off. Parce que ce corps, because this body, il sera sauvé shall be saved quand il va revêtir l'incorruptibilité. Only when we shall wear the incorruptibility. Quelqu'un est en train de me suivre? Are we together? Mais ton esprit, but your spirit, tu es un être nouveau. You are a tu es une nouvelle créature. You are a new creation. Si la trompette sonne maintenant, whenever the trumpet si Jésus blows, revient, if Jesus comes, tu seras enlevé. You shall be raptured. Oui. Yes. Mais ton teint, but your, avant que Christ ne revienne nous prendre, before Jesus came and took ça ne change pas de couleur parce que tu as donné ta vie à Jésus. Your color doesn't change because you believe to God. No. Vous me comprenez, n'est-ce pas? You are there now. L'âme, your soul,
Elle a certaines informations. They have some data. Par exemple, si tu as étudié à l'école, tu parles bien français, tu parles bien anglais. If you went to King's English, you speak good English. Le fait que Jésus t'a sauvé, ton âme est en train d'être renouvelée. Jésus n'est pas venu enlever toute la mémoire. When Jesus là, saved tu ne parles you, plus anglais, tu parles plus français. Your memory is not deleted. You forgot to speak good English. Parce que tu donnes ta vie à Jésus. Because now you are automatiquement parole de ni hao. You start speaking même ton Chinese. Français là, ton no. Chiluba, tu n'as pas oublié. Even ça. Your French, your English, you can't forget it. Vous me comprenez? Are we there? Parce que ça fait partie de l'âme. Because this belongs to your soul. Or maintenant, quand l'ennemi veut nous combattre, now, when the enemy is fighting comme la Bible us, dit, l'âme est dans le sang. Because the Bible says or, your le soul sang is in the blood, qui est en toi, the blood within you, il ne t'appartient pas. Doesn't belong to you. Il vient de tes parents. It comes from your both parents. Il est le mélange du sang de ton it père et de ta mère. Of your c'est comme ça que tu as hérité certaines traits de caractère. You inherit some characters from c'est your comme parents. Ça que tu as hérité de foi. Quand on te regarde, sometimes when le prophète Jogras me dit toujours, prophet Jogras said mon to troisième me, fils, il te ressemble my tellement. My third child looks like you. J'ai dit, ah oui, say, yeah, c'est le sang. It's the blood. Et c'est comme ça qu'il y a certains combats du sang that's even out some fight from the blood, qui réclament de foi des familles. They are claiming from the mais family. Le dimanche passé, je nous ai maintenant dit ceci. Last Sunday, I told nous you. Avons une identité supérieure we qui nous have est donnée. A superior identity la Bible dit dans the Jean 1, 12, says in the book of à John ceux 1, qui ont reçu la parole, those who have received the ils ont reçu le pouvoir the power de devenir enfants de the Dieu. Children of God. Ils ne sont plus nés they de la chair ou du sang, flesh, blood, mais ils sont nés de Dieu. With God himself. Quelqu'un dit avec moi, je suis né say, de Dieu. I am born of God. Oh, je ne t'entends please, pas. I don't hear dis you. Encore avec moi, je suis né I de Dieu. Am born of God. Alors, la victoire que tu as sur les combats, the victory you have over battles, c'est quand tu commences à déclarer ta nouvelle citoyenneté. It's only when you acknowledge your new identity. Et quand tu la réclames, cette when nouvelle you identité, claim your new identity, quand les combats de famille se lèvent, in the family tu rappelles battles, à ces combats, you remind them, je suis enfant de Dieu. I am a child le of God. Sang de Jésus a coulé pour moi à la the croix. Blood of Jesus was shed for me et on c'est the cross. Cette nouvelle nature and it is a new qui nous donne maintenant la victoire that gives you victory sur les combats de sang et de la chair. Every battle from your family and your carnally battles. Alléluia. Amen. Oh, jusque là, vous êtes là, n'est-ce pas? We are there. Je nous ai résumé les deux dimanches. That is summary of the two. Maintenant, aujourd'hui, je vais avancer un peu. Today, I'm going a little bit further. Vous vous poserez la question pourquoi j'ai parlé de la chair? You'll ask yourself why am I talking pourquoi about the flesh? J'ai parlé du sang? Why am I talking about the blood? Parce que la porte d'entrée. Because the main entrance. La porte d'entrée. The main entrance. Par laquelle Satan entre. Each, the devil came pour détruire in, les vies, to destroy lives, c'est la chair. It is the flesh. Aide-moi à regarder ton voisin. Look at your neighbor, please. Dis-lui fais attention à la chair. Tell your neighbor, please mind with your flesh. I don't know if you feel that you want to tell him in another language. Tell him. Si tu veux le lui dire dans ta langue maternelle, dis-le lui. The flesh. Mind the flesh. Un homme de Dieu est en train de dire, il faut faire attention à la viande. A man of God was saying that you have to take care of the steak. No. Be careful the with meat. The meat. With the meat. Be careful. Mm. Alléluia. Amen. Dis avec moi la chair. The meat. Donc si je me suis apesanti là-dessus depuis les deux dimanches, c'est parce que, comme nous venons de le lire, as we read it, quand on chasse les démons de la maison, la maison dont on parle, c'est toi. It is you. La maison dont on parle, the house that we read c'est moi. It's me. Même Dieu en venant habiter en nous, even God, when he came la to Bible dit us, dans 1 Corinthiens 3, 16, in the book of 1 Corinthians que 3, 16, nos corps, our bodies, pas nos esprits d'abord, not our spirit, nos corps but our body, sont le temple, they are the temple du Saint-Esprit. Of the Holy Ghost. Et le temple avait trois parties. And the temple had three le parvis extérieur. It was the out court, le lieu saint. The holy place, et le lieu très saint. And the holy of the holy. Et toi aussi, tu es en trois dimensions. And you've got three dimensions. Tu es corps. You are the body, tu as une âme. You have the et soul, tu es un esprit. And you are a spirit as well. Même le sacrificateur. Even the priest, avant d'aller entrer dans le lieu très saint. Before to go to the holy of the il holy devait place, passer par le parvis extérieur. To go through the out court, aller au deuxième
deuxième niveau qui est le lieu saint, et puis aller maintenant au troisième qui est le lieu très saint. Where God dwells. Hey, je ne vous entends pas. I don't hear you. Vous êtes calme? You are so quiet. Vous me comprenez quand même, hein? Do you understand me? Donc même la porte d'entrée, the main entrance, le parvis extérieur, it is the outcourt. Frères et sœurs, brethren, faisons attention avec la chair. Mind the flesh. Elle est une grande porte d'entrée des démons. It is one of the main entrances. Et quand on parle de fermer les portes, when we say close up your doors, ferme toutes les portes, close up all the doors, qui peuvent amener une influence négative dans ta vie. That may bring a negative influence in your life. Regardez Jésus. Look at Jesus. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 4, in the book of Matthew 4, Satan est venu le tenter. The devil came to tempt. Il a tenté Jésus. Tempting Jesus. Dans les trois dimensions. In three dimensions. Il a tenté Jésus dans la chair. He tempted dans le corps. Carnally in the flesh. Il a tenté Jésus dans l'âme. He tempted him in the soul. Il a tenté Jésus dans l'esprit. And he went to the spirit. Je vais bien m'expliquer. Three dimensions. La première des choses. The first thing. La Bible dit Jésus a eu. The Bible says Jesus was hungry. Un besoin physique. Hungry. It's a physical need. Un besoin physique. It's a physical need when you. Et Satan hungry. Vient. And the devil came. Si tu es fils de Dieu. If only you are a child of God. Fais que ces pierres. I want you to turn this stone. Deviennent des pains. Into bread. Je peux ouvrir une parenthèse et je peux la refermer. Opening a break and then closing up quickly. Toutes les fois qu'il y a un besoin dans la chair. Every time you have a need in the flesh. Satan vient aussi. The devil comes. Pour trouver une opportunité de t'égarer. To find an opportunity to get you astray. Nous voyons des gens. We see people. Je suis très pauvre. I am so broke. Je n'ai pas d'argent. I'm down and out. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse avoir l'argent? What must I do to have money? Je vais aller faire des fétiches. I'm gonna go. Je vais aller faire ceci. Je vais aller faire cela. I'll do this and that. Ils veulent aller faire toutes ces choses. They can do all these kind of things. Pour répondre. To respond. À un besoin. To a physical need. Physique. Satan a proposé aussi à Jésus. The devil proposed to Jesus. Utilise la force surnaturelle. Use your supernatural power. Utilise ta force de fils de Dieu. Use your identity as a son of God. Pour répondre à un besoin physique. To answer to a physical need. Tu es poussé à faire quoi souvent quand tu sens que tu as des besoins dans ta chair? What pushed you whenever you feel that you got physical need? Are you pushed by something? Are you pushed in a certain direction? Qu'est-ce qui vous pousse? Est-ce qu'on vous amène dans une certaine direction? Satan est passé par un besoin de la chair. The devil came through a need, physical need. Quelqu'un dit avec moi la chair. The meat. The flesh. Deuxième dimension. The second dimension. Satan vient combattre Jésus. Now the devil came and fought Jesus. Dans la dimension de l'âme. In the second dimension, which is the soul. Il vient et lui dit. He came to him. Il amène Jésus sur le haut du temple. He brought him higher. Après il lui dit. He said to him. Jette-toi de là. Just cast yourself down. Ce n'était pas qu'il était là à côté, lui disait, viens te jeter. Non, ça s'est passé dans la pensée. With him. Dans la dimension de l'âme. It was in his mind. Jette-toi par terre. Cast yourself down. Jump. Car il est écrit. It is written. Il ordonnera à ses anges. He will command his angels. De venir te soutenir, te porter secours. To come and rescue you. Pour que ton pied ne puisse pas heurter contre so that your foot may not stumble. Ça se passait au niveau de la pensée. It was in his mind. Mais l'action. But the action. De sauter. Of jumping. Allait être une action. Was going to be a material action. Allait être une action. A physical action. Vous pensez que Jésus allait sortir seulement en esprit, il saute et puis le corps. Do you think that Jesus was going to jump in the spirit? No, it is his body. Même les gens qui commettent le suicide. Even the people who commit suicide. Il vient là. They came there. L'ennemi vient le pousser. The devil came and is talking to you. Tu sais, tu peux te tuer. You know, you can just hand up your life. Cette vie, si tu en es dégoûté. You know, everything doesn't look well. Tu es fatigué de tout. You are tired. Look around même you. Même Dieu lui-même comprendra. Even God himself in heaven même will understand si tu meurs. You. Even if you die today. Et si tu meurs et puis il n'y a pas d'éternité. And if you die, there is no eternity. Et il commence à recevoir des paroles négatives. They start having negative words. Il commence à la convaincre. These are the words convincing non, them. Non, tu peux te tuer. You can hand tu your peux life. Te faire du mal. Do harm to yourself. Mais cette personne là, that person, ne mourra jamais. Will not die. Si elle n'agit pas avec sa chair. If he doesn't act physically, he will not die.
Donc même le combat de l'âme, pour qu'il soit mis en exécution, for them to be in action, il faut encore again, your body will la be chair. In motion. Satan va à la troisième dimension. Then the devil went to the il va tenter Jésus. He went and tempted Jesus. Cette fois-là dans la dimension de l'esprit. Now in the spirit level. Vous savez que l'adoration est un domaine de l'esprit. You know, worship, it Dieu is a dit, a dimension of spirit. Dieu a dit God said, que il aimerait que ceux qui l'adorent the two worshipers l'adorent shall en worship esprit him in spirit et en vérité. And in the truth. Tu ne peux pas adorer you cannot worship si ton esprit n'est pas if connecté your spirit à Dieu. Is not connected donc to God. Satan, the devil, en disant à Christ, by saying to Jesus, prosterne-toi et adore-moi, worship me, il voulait down, toucher Jésus wanted to touch dans la dimension Jesus de l'esprit. On the faith dimension mais comment the spirit? Il veut y arriver? But how does he get there? Il lui montre les richesses. He shows him all the riches. Il lui montre le monde. He shows him il the lui world. Montre la gloire. He shows him the après, il lui glory. Dit, and he said to him, si tu te prosternes only you et m'adores, je te donnerai me, ces choses. Then I shall give you all the world. Donc, il voulait toucher l'esprit he wanted to en passant encore par quoi? Through, by him kneeling down la chair. With the physical body. Jésus n'allait pas se prosterner avec son esprit. Jesus avec was not going to worship in his mind, he was going to quand go il regarde down. Les richesses du monde, when he looks ce sont les choses riches, these are the things that your physical body needs, wants. Je peux te donner Lamborghini et ma... Give you a Maserati. Maserati. Mm-hmm. La première fois qu'il avait dit Maserati, moi je pensais qu'il parlait d'une sœur. The first time Papa said spoke about Maserati, I thought he was speaking about a lady. He never heard that name Maserati. C'était ma première fois. That was okay. His first day to hear the name Maserati. Vous comprenez un peu? Do you understand? Donc, même la tentation de Christ, even the temptation of Jesus, Satan voulait l'attaquer dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, mais il vient lui présenter des besoins but et des cadeaux charnels. Physical need. Parce que la porte d'entrée pour toucher à ta vie, to touch your life, c'est ta chair. It is your body. Comment est-ce que tu traites ta chair? How do you treat comment your est-ce body? Que tu réponds toutes how les fois you que Satan t'amène une information? The devil knock at the door. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Say with me, Lord Jesus. Aide-moi à discipliner la chair. Help me to discipline my body. Aide-moi à discipliner help la chair. Help me, Lord, to control my même body. Même la haine quand elle veut venir. Even anger when it wants to come to you. Et quand tu regardes Yasmine. When you look at Sister Yasmine. Pasteur Roger vient te dire. Papa Roger come and tell you. No, no. Mais Yasmine, la même quand elle modérait pas bien. Yasmine, hein? Even the way she was talking, she was not just. Après quand tu viens, tu dis non, Yasmine. Quand tu étais à la chair là, Pasteur Roger, Yasmine, c'était pas Papa bon. Papa Roger, hein? Toi là, ça tu quand Yasmine tout. Regarde Pasteur when, Roger, elle sent she son cœur là. She starts feeling it in her body. Pourquoi elle sent ça dans son why âme? Why does she feel it parce in her qu'une information est rentrée because par la chair. A data came and entered through the body. Une information entrée dans la chair et data came into et allait affecter l'âme and they affected your et memory. Peut même aller affecter l'esprit. It can even go far to mais reach la your spirit. Porte d'entrée and the main entrance la chair. It is your body, your ear, your head. Vous me comprenez? Are we there? Anglais au matin. My French is becoming so good. English. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur. Lord. Aide-moi à discipliner la help chair. Me to control my body. Et je nous en supplie, Église. I beg you, church. Nous pouvons susciter des combats. We can raise à battles. Cause du type d'information que nous infiltrons dans just notre chair. Just because of data à that cause you let du type in your body. De porte que nous ouvrons dans notre chair. That you open through your body. Et quand tu ouvres cette porte, and when you open the ça door, entre dans ton âme it goes to your et ça soul. Peut même aller jusque dans it ton can esprit. Go as far as your spirit. Je descends maintenant à ce que je voulais dire I'm aujourd'hui. Coming down to what I wanted to tell you. Vous avez compris, frères et sœurs? Did you understand me? J'aimerais que Divine Grace arrive à un niveau où I want us in this church to come to the level whereby même quand on te dit even when they tell you non, non, non. Non, 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 non. Mais tout le monde peut chanter. Everybody can sing. Permettez-moi d'en parler ouvertement. Allow me to speak openly, you non, know non, me. Non, tout le monde peut chanter Despacito. Everybody can speak, can sing about Despacito. Despacito.
Mais toi, en tant que chrétien, you le type d'informations qui sont dites là, the datas, datas, ce n'est pas seulement la mélodie. It's not only the mais melody, ces choses-là viennent créer quelque chose dans mon âme. Ça peut même m'affecter dans mon esprit. Go as far as your spirit. Amen. Vous me comprenez, Église? Do you understand me, Church? Quel est le type d'information que tu laisses entrer en what toi? Kind of data do you allow come in your life? Je ne parle pas seulement des chants. I'm not speaking only about the songs. Je parle même des paroles. I'm even speaking about the words. Quel type de paroles tu dis sur ta vie? What kind of word do you give upon your own life? Si je parle de la musique, if I speak about the music, est-ce que vous savez que la musique joue un rôle sur le corps mais aussi sur l'âme? Do you know that music plays a big role upon your body et and even your soul? Et elle joue aussi un rôle sur l'esprit. And it went to the spirit as well. Au ciel, on parle même des anges avec les trompettes. Amen. In heaven, they speak about angels of trumpets. Donc même au ciel, il y a des instruments de musique. How do we have heaven with instruments of music? Et celui qui était en charge de la musique au ciel, and the one was the man charged. C'était Lucifer. It was Lucifer. Il est tombé. He was cast il down. A été précipité. He was cast down. Il a son talent en lui. And he still has his skills. Donc quand tu es dans ce terrain là, when you are in that domain tu es of music, vraiment dans son terrain. You are already in his domain. David pouvait jouer de la musique. David could play the music. Les esprits pouvaient quitter de la vie and de Saül. Evil spirit was cast out from Saul. Élisée voulait prophétiser. Elisha wanted to prophesy. Il voulait qu'on lui amène un joueur de harpe. And he wanted to have a music la mélodie player. N'est pas une simple mélodie. The melody is not only regardez melody. Regardez bien nous qui suivons les films. Look, when we're watching movies, vous êtes en train de suivre un film. When you're watching a movie, et plus, du coup, then suddenly. Même là où vous êtes, even where you are, you start le cœur commence à battre. Boom. Your heart start beating boom, fast. Boom, boom. Just because vous vous the posez sound, des questions. You start asking what's going to happen. Qu'est-ce qui est en train de se passer? What is happening next? N'est-ce pas? Isn't it? Oh yeah. N'est-ce pas? Movie lovers. Moi, je vais aussi au cinéma. I go to watch the Lion King. Il y a des cas où tu regardes comme ça le film. There are times when you look at quelqu'un the movie, en train de courir la nuit. Somebody is fast running. Et puis j'entends. Moi, là où je suis, le cœur commence à battre. And where I am, my heart starts beating qu'est-ce, fast. Qu'est-ce qui veut arriver? What's going to happen est-ce to him? Est-ce que les militaires veulent sortir? The soldiers will come, rebels, or something like that. Même quand celui qu'on appelle le moigné film. Even the actors, the main actor. Même quand on l'a tué là où on l'a tiré, il est blessé là. Mais vous entendez la musique, il revient. You know that he's coming back. Pourquoi? Why? La musique, the music, a la manie de vous faire penser au-delà de ce que vous voyez. It can take you beyond what you see. Des fois, vous regardez un film avec les parents. Sometimes you are watching a movie. Vous commencez à écouter un type de musique là. You start just hearing a kind of music. Vous commencez à voir les gens commencent à quitter la maison. You know, children are start running away. Parce que vous savez, cette musique n'annonce pas quelque chose de bien. Doesn't announce. Elle n'est pas qu'une mélodie. It is. Elle monte jusqu'à jouer un rôle sur l'âme de l'homme. It goes to play on your role, on your spirit and your soul. Vous comprenez? Amen. Donc même quand tu es en train de chanter là, hey, even when you are singing, well, yeah, ce n'est pas seulement le corps qui it's bouge. Not only your l'âme body, aussi entre en acte. Your soul et is tu ouvres la porte à ton esprit, soit pour te connecter à Dieu, ou pour ouvrir des portes God, à une activité démoniaque. Open a door to the devil activity. C'est comme ça que that's why, pour ne pas tomber dans ces pièges, so that we may not il y a de ces choses même quand tu entends là, there are things when you hear tu them, dis ça c'est pas pour moi. You say this is not for me. Quel est le type de parole que tu dis sur toi-même? What kind of word do you say about your life? Quelque chose veut t'arriver. Something what happened to you? Nakufi, I'm dead. Tu es vivant. You are still alive. Mais toi-même, but you are confessing. Tu dis, I'm dead. I am dead. Je suis mort. Après, tu vas commencer à rêver des esprits de mort. Then you start dreaming. Tu commences à sentir des choses qui ne vont pas. Something is not good. Parce que la parole quand elle sort, because the word when it's out, elle crée. Oh my God. It creates. Alléluia. Amen. Quels sont les types de paroles que tu dis quand tu es sous la colère? Oh my God. What kind of word do you say whenever you feel angry? Quand tu es fâché, when you are very upset, contre un enfant, against a child.
même contre toi-même, quand tu as l'impression que tu as échoué, est-ce que tu reviens à Dieu pour dire, Seigneur, je viens en bas de ta croix, aide-moi? I am kneeling down before the cross. Ou bien tu te dis, or you say to yourself, I just feel like I'm a failure. I'm a failure. Alléluia. Amen. Aide-moi à regarder ton voisin. Tell your neighbor. Aide-moi à regarder ton voisin. Dis your neighbor. Dis-lui qu'est-ce que tu dis sur ta vie. Tell to your neighbor. What do you say upon your own life? What do you say? Il y a beaucoup qui se sont liés. There are a lot of people bound à themselves. À cause des paroles. They've bound themselves. Qu'ils ont prononcées sur eux-mêmes. Just the word you spoke over your own life. Moi, j'ai l'impression avec tout ce qui est en train de m'arriver. Whenever I look at what's happening to me, I just want to die. I don't feel like living anymore. Mais cette parole que tu as libérée, that word you set free, elle a créé une atmosphère autour de toi. It shall create a negative atmosphere. Et les démons peuvent s'en prendre et dire, and the demon will take nous on est venus. C'est lui-même qui avait dit, il nous a appelé, il a dit qu'il voulait mourir. He want to die. Alors on est venu pour qu'on puisse then bien the l'achever. Demon of death comes to you. Et souvent les esprits, qu'est-ce qu'ils font? And most of the time, quand la porte est ouverte, when the door is opened, ils ne reviennent pas seuls. They do not come themselves. Il va appeler aussi ses collègues. They will make sure they bring some colleagues non, non, of theirs. On m'avait délogé parce que j'étais seul. I was cast out because I was alone. Mais maintenant revenons. But il prend sept autres démons plus forts que lui. He will make sure he takes some more. Il se rassure aussi que la prochaine fois, il ne faut pas que je parte. He makes sure that next time j'ai they du renfort. I have people around me. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde encore ton voisin. Please, look at your neighbor. Discipline ta chair. Control your body. Tell your neighbor, my neighbor, control your body. Dis-lui encore, discipline tell ta chair. Tell your neighbor, please, my neighbor, control your body. Discipline your flesh. I want you to discipline your flesh. Et la chair a tous les cinq sens. And you know the body have all the five senses. Discipline ce que tu regardes. Control what you watch. Alléluia, papa. Amen. Fathers, with the remote control. Quand tu entends les pas de maman, là, when you oh, hear your wife coming, you change your YouTube. Mm-mm. Qu'est-ce que tu regardes? What do you watch with your eye? Qu'est-ce que tu fais entrer dans tes oreilles? What comes in your ears? Qu'est-ce que tu fais entrer dans ta bouche? In your mouth. J'étais seulement parti, on m'a donné un liquide, on m'a dit, si tu bois maintenant, si tu prends ça. Une dame m'avait fait rire un jour. Elle a lady made me laugh. Je suis parti, on m'a donné un peu de poudre. I went, on they m'a only dit, give me powders. Prends cette poudre, mets dans la nourriture de ton they mari. Say, just take this powder, put même it in au travers your de husband. La nourriture, even food, il y a des gens qui ont ouvert des portes à Satan. There are people who open doors to the demon, just for food or drinks. Et cette dame venait maintenant. And she came to me. Papa, maintenant on m'a dit. Pastor, now they told me que je puisse protéger ça. I have to que ça ne puisse pas tomber dans l'eau. That it may not fall le in jour water. Où ça tombera dans l'eau. The day it goes to the water. Même si c'est l'eau de pluie ou même l'eau if de la maison. It's the rain or from je vais devenir folle. I'll become mad. I'll go chaque crazy. Matin, elle se rassure que c'est bien gardé. Every day she was making sure that it's well kept. Je lui ai posé une question simple. I asked her a very simple question. On t'a dit que le fétiche te protège. They told her that the your fetish, charm, your charm protects you. Mais tous les jours le matin. But every day c'est in the morning. C'est toi qui dois aller checker pour que l'eau ne puisse you pas have to dedans. Make sure that no water doesn't reach it. Entre toi et le fetish qui protège. Between you and your charm or fetish, who is protecting you? C'est à toi qu'on dit non, ça ne doit pas tomber. They ça tell doit you, pas no, faire ceci. People ça cannot pas... see it. Make sure that your husband doesn't see your wife. Mais quand Christ te libère, but when Jesus sets tu you es totalement free, libre. You are free indeed. Quand Christ te libère, when Jesus sets you tu free, es totalement libre. Indeed, you are free. Donc j'insiste là-dessus. I'm emphasizing. Disciplinons la chair. Mind our flesh. Maintenant, pour arriver au combat spirituel, now to reach the spiritual warfare, on va se rendre compte d'une chose importante. I want us to notice something very Dieu, important. En créant les cieux et la terre, when God created heaven and earth, il l'a fait sur base de trois éléments importants. He did it through three important things. Trois éléments. Very important main things. Three elements. Three. Je nous en ai parlé. J'ai parlé de. I spoke about the timing. Time. The space and material. Le temps, timing,
l'espace, l'espace, la matière. And material. Au commencement. At the beginning. Quand on parle du commencement. When we speak about the beginning. On parle du début du temps. We speak about the beginning of the time. Dieu créa les cieux. God created heaven. Quand on parle des cieux. When we speak about heaven. On veut parler de l'espace. We speak about the space. Pas seulement les firmaments. Not only the space that we can see like the atmosphere. Et quand on parle de la terre. When we speak about the earth. On parle maintenant de la matière. We speak about the material. Et ces trois éléments. And these three elements. Dieu les a aussi, ils sont aussi subdivisés en trois. God divide them in three. Le temps, the timing, il y a le passé, it's the le past, présent, the present, et le futur. And the future. Amen. L'espace, the space. Nous avons la longueur, we have the length, la largeur, width, et l'épaisseur, and the height. L'épaisseur en montant, on appelle ça hauteur. We call it height when en descendant, height. On appelle ça la profondeur. Deepness when going down. La matière. The material. Nous avons la matière à l'état liquide. We have the liquid. À l'état solide. We have solid. À l'état gazeux. And we have the gas. Amen. Solid. Je suis en train d'arriver quelque part. I'm coming somewhere. Et tout ce que nous sommes en train de voir. Whatsoever we see. Les cieux et la terre. The earth and heaven. Dieu est venu, il a créé ces choses. God created these things. En partant de ces trois éléments he importants. He went through these three elements. Même les arbres. Even the trees. Quand nous mettons la semence aujourd'hui. When we put the seed today. Elle ne devient pas grande automatiquement. It doesn't come parce out qu'elle of est soumise tree. À un processus de croissance. It is subjected elle to est liée a à un principe de temps. There is a principle of time. Même les poissons, even the fish, même la reproduction, even production, la croissance vient, elle est soumise au temps. Everything is subjected to c'est comme timing. Ça qu'il y a des choses that's why some qui changent avec le temps. They change only with time. Même moi, je refusais, je ne voulais pas avoir la barbe. You know, I didn't have the Sahara mais le temps on me. Fait que ce que je ne voulais pas avoir, c'est attaché à moi. But when the time came, the Sahara was on my head. Je l'ai refusé au nom de la tondeuse. I was saying that I don't want this, I have to cut it off. Mais c'est venu. But it's still coming. Après je disais je vais la garder zéro. Then I say, I'll keep it. Après je commence à voir des petits blancs qui commencent à venir. Then you see the gray coming like me. J'enlève sa poupe. Before I was le lendemain j'en vois deux. When I take one, tomorrow I see two. Là je commence à voir que ici aussi ça commence à venir. It was on here, now it goes to my head. Hey. Then I say, oh Lord. Mina enda ndege baba. Then I'm gone, it's over. Cannot fight timing. Pourquoi? Why? Même moi, even ici, as, je suis soumis. I am subjected au temps. To the time. Allô? Alléluia. Amen. Je suis ici au Canada. I am here in Canada. Pourquoi je viens ici? Why am I coming? Pourquoi in? Je vais au travail? Why am I going pourquoi to work? Je vais à tel ou tel ou tel autre endroit? Where am I going here and there? Je suis en train d'agir. I am acting. Je fais les activités. I am doing my activities. Dans l'espace qui m'est donné. In a space given to me. Amen. N'est-ce pas? Yes. Je mange. I eat. Je bois. I drink. Tout ce dont je me nourris, everything I feed myself with, la matière, it is material things. Jusque là, vous êtes là? Are we there? Oh, jusque là, vous êtes là? Are we there? Alors regardez. Now I want you to look at this. Quand Satan a été chassé des cieux, when the devil was cast out of heaven, il est venu. He came. Pour chercher à perturber l'homme. He made sure that he want to disturb dans the human ces trois éléments. In these three things. Il n'en est pas le créateur. He is not the creator. Non. No. C'est Dieu qui est le maître des circonstances God et des temps. The master of circumstances c'est Dieu and qui time. Est le maître de nos vies. God is the master of mais our quand life. Satan vient, when the devil came, il vient pour chercher à agir. He's coming looking to act, perturber to disturb le temps, the timing, l'espace, the space, la matière. And the material. Aujourd'hui, le Seigneur était en train de m'enseigner ces choses. Today, the Lord was teaching me these things. J'ai prié la nuit. I was praying at je night. Je me suis endormi. Then I went to sleep. Et quand je dormais, when I was sleeping, j'étais en train de me parler. Je me voyais en vision. J'étais en train d'écrire. I saw myself in a vision. I was writing a book. Non, j'écrivais. I was writing. Amen. My books are coming out now. It was a prophecy. Alléluia. Amen.
Et même quand je me suis réveillé, when I woke up, j'ai dit, ah, I said, Lord. Alors quand on voit dans Ephésiens chapitre 6, when now we go to the book of Ephesians 6, verset 12, 12, on parle de trois types d'esprits. Three types of spirit. À chaque catégorie, to each and every category, catégorie, to each and every category, est assigné à perturber l'un des trois éléments. There is an assignment to destroy these three things. La Bible dit, the Bible says, nous n'avons pas à lutter contre la chair we et le do sang, not have to wrestle against flesh and blood, mais contre les but against the domination. Principalities. Quelqu'un dit avec moi domination. Principalities. Domination, c'est en français. In French. En anglais, on dit principalities. En anglais, on dit principalities. Quelqu'un dit avec moi domination. Principalities. Ce mot-là, domination, the word the principality, qui est utilisé en grec, which is used in Greek, c'est le mot arché. It's arché. 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 A-R-C-H-E. As he said it. Un peu comme on parle de archibishop. Archbishop. Pas encore, archipop. Archevêque. Yeah. Archbishop. Archange. Archange. Le mot arché, the word arché, signifie means le premier. The first. Arché. Arché veut dire means celui qui contrôle, qui est au-dessus. The one who rules is above. Mais arché, but arché, en grec, in Greek, c'est le même mot en hébreu que bereshit, commencement. It is the very same word like bereshit. Donc arché veut dire arché celui qui est au-dessus, the one above, mais qui contrôle les tâches qui sont données dans le temps. Ruling everything given to our time. Maintenant, quand Paul dit, but now when nous Paul sommes says, en train de lutter contre les principautés, we are wrestling against principalities, il veut dire, he only wants il y a to des say, puissances de ténèbres there are some power que Satan a envoyées qui règnent sur des cités, that are ruling qui over règnent cities, sur des territoires, ruling over mais territories, qui ont un assignement spécial, but they have a specific celui assignment, de perturber les temps only et les saisons. Time and season. Oh, quelqu'un avec moi? Are we there? Donc toutes les fois que vous entendez la Bible dire, every time you hear the Bible nous says, combattons les principautés, we are wrestling against ce sont des esprits méchants, these are wicked dans les lieux célestes, in heavenly ils place, ont un assignment spécial, having a special assignment, ils contrôlent, they are ruling, ils sont au-dessus d'autres they démons, are above every demon, mais leur mission, but their mission, c'est de perturber les temps et les saisons des enfants de Dieu, of children of God. Pas seulement des enfants de not Dieu, only children of God, de l'humanité, of the humankind. C'est comme ça, frères et sœurs. That our brethren, nous avons des gens. We have people. Ils sentent que ils n'arrivent jamais à percer. They cannot break through. Toute sa saison est perturbée. The season is disturbed. Parce que eux, ils sont là. Why? Because they are there. Pour perturber les temps only et les to saisons. To disturb timing and season. Et ils agissent même en certains temps they act et en certaines saisons. Time and certain season. J'étais en train de prier I was praying avec la servante de Dieu, maman Lydia. With Mama Lydia. Je lui parlais de quelque chose. I was speaking to her about something. J'ai dit, maman Lydia, prie pour moi. I said, Mama Lydia, may you pray for me. J'ai remarqué I've noticed l'année passée, last year, à telle période, this specific time, on a connu tel type de combat. I heard this type je type me rends compte que cette année, I noticed again la this year, même période, the same time, les mêmes types de combats se lèvent. The same thing is happening. Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas les yeux spirituels qui va commencer à regarder, qui dit, non, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a les yeux spirituels, il comprend que... il y a une saison de percée que Satan est en train de chercher à perturber. Je reprends. Vous comprenez, frères et sœurs? Amen. Il y a des gens. There are people. Il y a des types de combats. Qui se lèvent en des saisons données. They have some fights on certain time. Moi, j'ai remarqué quelque chose. I noticed l'année passée, last year, on a fait des programmes de jeûne et prière. We had fasting. On a fini les programmes de jeûne et prière. When I finished, Satan it, s'est levé fortement. Then the devil stood. Cette année, this year, on finit le temps de jeûne et prière. When we finish Satan the time, se lève encore the fortement. Devil against stood. On amen. Va dire, oh non, oh,
Frère tel, sœur tel. That brother or sister. Quand vous avez les yeux spirituels, when you have vous comprenez que understand, il y a des principautés qui agissent. Et quand vous remarquez cela, and when you notice il faut that, vous lever et les chasser. You have to ne cherchez pas à résoudre d'abord le problème physique. Don't want to deal commencez par l'attaquer spirituellement. Spiritually. En cherchant à arranger dans le physique, when you want to arrange tu es en train physical, de passer le temps hein, parce que tu es en train de t'attaquer oh, non pas aux hommes, mais aux principautés. But with principalities, come on. C'est ce type des esprits. These are the type of spirits. Job était en train that de parler. Job spoke and said. Dans Job chapitre 3, in the book of Job 3, verset 8, it says in 8. Job a souffert. Job suffered. Il a pleuré. He cried out les choses n'allaient pas bien dans sa vie. Things was not well in et his Job life. Décide de maudire Job. Curse his life. Curse his life. Il a commencé à maudire. He started cursing his il dit, je prie que même le jour de ma naissance soit ôté du calendrier. I curse the day I was born. Après, il dit, then he said, qu'elle soit maudite. Let it be cursed. Mais regarde ce qu'il dit. Look at what qu'elle he soit said. Maudite par ceux qui maudissent let les it jours. Be cursed by those who are cursing days. Par ceux qui savent exciter le Léviathan. By those who know how to excite the Leviathan. Le mot Léviathan. The word Leviathan. En hébreu. In Hebrew. Leviathan. Leviathan. Veut dire monstre marin. It means an aquatic monster. Des monstres des eaux. The monsters des from the water. Des esprits des eaux. Those are spirits of ils water. Ils excitent ces esprits. They excite them. Pour que une journée. So that a day. Pour que une saison. So that a season. Soit maudite. May be cursed. Et le mot Leviathan, and the word Leviathan vient du verbe lava. It came from the verb lava. Lava en hébreu veut dire lava in Hebrew means changer la joie en deuil. To change the joy to mourning. Donc Job dit ceci. Job is saying, puisque je souffre, because I'm suffering, que ceux qui maudissent les jours, let the curse of days, maudissent ma journée, curse my day that I was born, qu'elles appellent même à des esprits, and let them excite spirits, que ma journée soit maudite, so that my day may que be cursed, ma joie se change my en pleurs, joy may be turned into les mourning, principautés se lèvent, the principalities stood, pour arracher ta joie, to take et your remplacer joy, ta joie par and des pleurs, to change your joy by the mourning. Tu ne remarques pas, don't you know? Quand tu es au point de percer, every time you are about to break through, tu sens que l'ennemi vient tout prendre. You feel that the devil comes and take everything. Tu rentres à zéro. You backslide again to zero. Tu commences des affaires. You start project and businesses. Tu vas de l'avant. You go forward. Au point où tu veux signer le the contrat. Turning point to des get problèmes contract. Viennent de nulle part. The fight starts from et anywhere. Puis toute l'activité tombe and encore à zéro. Every project collapses. Frère, quand tu vois de telles choses, when you notice things like this, attaque-toi aux principautés. Now go to principalities. Dis Seigneur, les principautés say, Lord, every du monde des ténèbres of wicked qui se sont levées contre ma vie et ma destinée, against my life and my business, je les brise I break et je les fais tomber and I cast au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et même pendant and que je te parle, as I'm speaking to you, que tout esprit every spirit qui venait pour perturber ta saison rencontre maintenant le let feu de Dieu. Que tout esprit que l'enfer avait envoyé pour te perturber dans ta saison de percée rencontre le feu de Dieu dans le nom de Jésus. C'est le même type d'esprit the same type of the spirit dont Jésus a parlé that Jesus was speaking dans le Nouveau Testament. In the New Testament. Je crois dans Matthieu chapitre 15, si je ne me trompe pas. In the Gospel of Matthew 15, if I'm not mistaken. Quelqu'un dit avec moi principauté. God, somebody say with me principalities. Quelqu'un dit avec moi principauté. Principalities. Matthieu 17, 15. We are in the Gospel of Matthew 17, 15. La Bible dit, the Bible says, il y avait quelqu'un, there was somebody, qui tombait malade, who was every time collapsing. Il était épileptique. He had epilepsy. Mais la Bible dit, but the Bible says, la personne dit à Jésus, the person said to Lord, Seigneur, Lord, aie pitié de mon fils, have mercy on my son, qui est lunatique. Who is lunatic? Dis avec moi lunatique. Lunatic. Le mot lunatique. The word lunatic. En grec. In Greek. Seleniazomai. Enyo, as he said. Seleniazomai. As he said it, I don't speak Greek. Alléluia. Amen. Et seleniazomai vient du mot selene. And that word comes from the word selene. Selene veut dire la lune. It means the moon. Et zomai. And zomai veut dire
To be struck. Être frappé comme d'une foudre. To be struck. Seleniazomai. That word in Greek veut dire être frappé comme une foudre toutes les fois que la lune apparaît. To be struck like a thunder every time the moon appears. Donc l'esprit là, that spirit, l'esprit lunatique, the spirit, ce n'est pas que spirit. Cet enfant tombait dans l'eau tous les jours. It's non. Not like this child was collapsing in water Mais every quand day. Il y a apparition d'une pleine It's lune. Only when the moon shows up. Les démons commencent à se manifester. Then the demons start moving in him. Vous savez que la pleine lune apparaît après 30 jours, 30 jours, n'est-ce pas? You know, c'est comme ça moon, que même les the mois. Full moon comes only after 30 days, 30 c'est comme days. Ça qu'on appelle les mois, months. That's why we call months. Ça vient de la lune. Every 30 days the moon ça comes. Veut dire l'esprit là, c'est comme si le premier, il se that spirit was attacking the first. Et puis il devient normal. It became normal. On arrive encore au premier du mois prochain. When you reach the first of last month, next month, combien de personnes ici? How many people here? Il suffit juste que tu reçoives l'argent. Paf. It's only when you get money, when money les gens commencent à tomber malades. People start les problèmes sick. Commencent à venir. Problems start coming. Ta voiture, even your car, commence à avoir des problèmes. I start having problems. Quand tu as dépensé tout l'argent, when the money finishes, your car les is problèmes okay. finissent. And everything is fine. When you don't toi-même, me. Tu sais, you know, chaque année, every year, au mois de janvier, in January, je suis hospitalisé. You are hospitalized. Chaque année, you are admitted. Au mois de juin, in June, un membre de ma famille doit mourir. A member family frère, ces choses-là ne sont pas normales. These things are not dès normal. Que tu vois que ça se répète when dans des you saisons, see them repeated tu dois comprendre understand à ce niveau ici, in this level, il y a un problème des principautés problem et je dois m'élever contre les principautés dans ma famille. Against every responsibility in my family. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. It's not normal. Quand les principautés se lèvent, when the principalities les saisons sont perturbées. And things and seasons are disturbed. Tout le monde dans la famille commence à passer par le divorce. Everybody in your family vous avez l'impression que vous vivez les mêmes choses. And you've got the impression you are going through the same curse. Les mêmes choses. The same thing. Les mêmes phénomènes. The same phenomenon. It's like all of us we're going down the same road. C'est comme si nous tous nous sommes appelés à aller dans le même cercle vicieux. Je vous avais parlé de ce témoignage. I spoke to you about this testimony. Je priais avec un pasteur, paix à son âme, il est déjà mort. I was praying with this man of God. Il s'appelait Muloai. Je vous ai déjà parlé de Amen. Cet exemple. His name was Muloai. Amen. Et Muloai veut dire Muloai in my language. Olokaye. It means curse him. Bewitch him. Yeah. Curse him. Et le papa portait ce nom. He was having a name meaning that a knocks had been cast upon him. Son grand-père. His forefather. On lui avait tiré. Was shot dead. La balle au pied. He had a bullet on au his pied feet, droit. On his right leg. Mais il est mort de l'hémorragie. He died through hemorrhage. Son père. His father. Était dans l'armée. He was a soldier. Avec Kabila père. Who was with one of the president back in the Congo? In Congo. In the Congo. He was a soldier. Il va mourir au front. He went in on the fight. Tiré une balle dans la jambe. He received a bullet on the right leg. Lui aussi. Him now, that pasteur man of God. Qu'il était. Pastor. He was a pastor. Il préparait son mariage. He was getting ready for c'est his moi wedding. Qui concevais les invitations. He is the one making the invitation. Quand je faisais card. Les invitations, when he was making en the regardant invitation la photo, when I look Dieu m'a dit, God spoke to me. Dis-lui qu'il fasse tomber ces combats générationnels. Tell him to stop this curse from the family generation. Surtout nous qui faisons la théologie, nous avons un problème. Especially us when we do theology. Non, pasteur, normal. You know, pastor, according to this, tu vois même quand on dit, you know, when it says, un païen il est possédé, a pagan may be possessed, un chrétien il peut être sous une influence de démon, but a Christian can be under the influence of the demon, pas possédé, but you are not possessed, parce que le mot démon, the principle of the word daimon en grec, daimon in Greek means, papa, daimon, I told him, father. This is not a matter of Greek. The devil doesn't only fear Greek. Il est parti. He went with a bullet in his leg. 2 semaines avant son mariage. 2 weeks before his marriage. Il revient de la fête de mariage avec sa fiancée. Coming from another wedding with fiancée. Il finit à minuit. He went up at il va la ramener chez les beaux-parents. He was taking her back. Les beaux-parents lui disent non, reste même dormir ici. The family-in-law told him no, dit, it's no, midnight, no, 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 sleep no, no. Here, it's dangerous outside. He said no, 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 no. Dans notre culture, on dort pas chez in les beaux-parents. Our culture, you cannot sleep in your family-in-law before you get married. Il sort pour aller prendre le taxi. So he went out to take a Uber.
Quand il est sorti, était ici. Il n'y avait pas Uber au Congo, papa. Yeah. He went to take a taxi. Il sort pour aller prendre un taxi. When he got to the taxi, les policiers le voient. The policeman saw him. Il l'arrête. They stopped him. De loin, ils lui disent d'arrêter. From first stop, they didn't know. Il regarde. When he looked at the policeman, il voit des gens en armes. He saw the policeman with guns. Il pense que ce sont des bandits. He think they are bandits. Thieves. Il commence à courir. He start running. Et le soldat pense que c'est un voleur. And the policeman think he's a Donc, thief. Il lui tire dessus. Now they shoot at him. On lui a tiré. When he was shot, dans la jambe. The bullet went on his right leg. Et il a succombé de l'hémorragie. And the blood started coming out. Et puis il est mort. And he died. 2 semaines avant son mariage. 2 weeks before the wedding. Je tremblais des mains, des pieds. Pastor Je me suis rappelé de notre conversation. Je regarde les invitations du mariage. Pastor Neil was worshiping one another. Frère, he remembered of the invitation. Quand il s'agit de chasser les démons, when it time to cast out demons, oublie ton make-up. Forget about your makeups. Oublie ta veste. Forget about your suit. Oh no, Yoshi Yamamoto. You see, mine is Les démons Versace. N'ont pas peur de ça. They don't care about your beautiful suit. Réclame ton identité chrétienne. Claim your Christianity identity. Le dimanche prochain, next Sunday, je vais continuer avec I will go on. À part les dominations. Beside the principalities, je vais parler des autorités. I will speak about powers. Quand on parle des autorités, when we speak about powers, je crois que j'avais un peu effleuré. No, I just went like on top Exousia. Of it. Exousia. Ils dominent sur les types de pensée et mentalité d'un peuple. They rule upon the thinking and mentality of people. Un espace donné. But they are acting according to a certain territory. C'est le type de démon. Les types de démons qui ont bloqué même l'ange qui venait avec These la réponse de Daniel. Of the demons that hinder the answers of Daniel. Ils dominent sur des territoires. They are ruling over territories. Et je nous parlerai aussi. And I'll speak to us again. The rulers. The rulers. Ceux qui dominent sur la matière. Les Those uns who rules upon dominent, contrôlent le temps. Some control les the time. Contrôlent les espaces. Some control the space. D'autres Some, la matière. The material. Ils travaillent dans des territoires donnés. In a certain territory. Mais ils contrôlent la matière. But they control the physical C'est material. Comme les types d'esprits qui ont possédé le fou de Gadara. These are the kind of the spirit that was Jésus dwelling in the crazy men of Gadara. Mais ils demandent d'aller entrer When dans Jesus une autre matière. When Jesus cast them out, they say, "Please, let us go to the pig." Ils sont allés entrer dans les cochons. They went to the pig. They didn't want to Imaginez go far. Imaginez quelqu'un qui a 2000. Imagine a flock of 2,000. Pigs. C'est tout un business, n'est-ce pas? It is a big company. Tout un business qui tombe à l'eau. A whole business went down je because vous of a demon. Je parlerai aussi de ces esprits qui viennent déranger la matière. I will speak to you. Il y a de ces gens-là that comes to disturb your materials. Qu'est-ce que je vais nous faire comprendre? What am I driving you? En voulant entrer dans le combat spirituel, by going to the spiritual battle, il faut t'attaquer aux esprits qui perturbent ta saison. You have to fight against the spirit that are disturbing your season. Qui bloquent ton épanouissement dans l'espace que Dieu Those t'a donné. Those who are hindering your going forward in a certain space. Et qui bloquent la matière. Ça Those peut who are hindering les the material, finances, the le fighting travail, your finances, toutes les choses que Dieu t'a donné. Everything that God gives you at materials. Et après, je vais nous parler de comment on peut nous revêtir des armes spirituelles. How can you wear pour entrer dans la bataille. Spiritual Quand je vous dis toutes ces choses, When I'm speaking to you, ce n'est pas pour vous faire peur. It's not to frighten C'est plutôt you. Pour vous dire It is to tell you, ces esprits, this spirit, Jésus les a déjà conquis. Jesus overcame them. Colossiens chapitre 2, In the book of Colossians 2 verset 15, 15, à partir même de 14 jusqu'à 15, from 14 to 15, la Bible dit il a effacé l'acte the dont Bible les ordonnances vous condamnaient. It deleted the act that et qui subsistait contre nous. Everything that stand against us, it deleted il them. A effacé en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. On the cross. Et le verset 15 dit And 15 says, il a dépouillé
is spoiled. Les dominations et les autorités. Every principalities and powers. Elle les a livrées publiquement en spectacle. Them publicly, en triomphant d'elles par la croix. Committing them on the cross. Ces choses de combat. These things that are fighting. Peut-être parce que tu ignores que tu as le de pouvoir maybe sur ces choses. Maybe because you ignore that you have the power over them. J'ai entendu quelqu'un me dire. I heard somebody telling me. Papa, laisse-moi vivre mon humble vie. Pastor, I want to be humble like I'm si living. Si je commence à aller attaquer les principautés if là. If I start fighting principalities. Je vais aller attaquer des démons qui sont plus forts et vont I me battre et vont me détruire. I start fighting very strong demons who will fight me and kill me. Je lui ai dit. I said to him. Christ les a déjà vaincus à la croix. I told Jesus overcame them on quand the cross. Quand il vient te combattre. When he came to fight you. C'est parce qu'il pense que tu ne sais pas qu'ils sont it's vaincus. It's because they think you do not know that they overcame. C'est ce que Paul disait. That's what Paul said. Lorsque l'héritier est encore enfant. When an heir il is ne still diffère a child, rien d'un esclave. An heir is like quand a bien slave, même il soit propriétaire. Even though he's a heir, il y a des choses. There are things, quand tu les comprends. When you understand et quand them, tu sais qui tu es. And you know who you tu, have, tu sais que tu es héritier. You know that you are an heir, et même celui qui dominait sur toi, il even perd the sa domination. One who was ruling over you stops ruling over you. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on fasse une prière. I want you to pray with me. Juste 10 minutes. 10 minutes. Je crois que j'ai bien introduit, hein. I think the introduction vous avez is compris, okay. N'est-ce pas? You understood le me. Temps, timing, la matière, the space, l'espace, and material. Ces trois choses, this thing, c'est the pas element. Ça que je vais commencer dimanche prochain. Next Sunday, I will start by them. Pour vous faire comprendre comment ils agissent dans le temps, dans l'espace, to dans la matière. To make you understand how do they operate in timing, et comment in vous the pouvez les identifier. How can you identify mais them? Pas seulement les identifier, not only to identify mais them, aussi les déloger. But how to cast them comme out. Là. As you are sitting. Vous pouvez déjà identifier les principautés, n'est-ce pas? You can already identify vous pouvez voir dans la famille. You can see already voir dans in your family. Dans votre vie. In your life. Quels sont les moments où la saison est perturbée? What is the time that the season is disturbed? Et dimanche prochain, and next quand Sunday, je parlerai du temps, when I will speak c'est là time, que je vous montrerai that's where I'll même show comment you. Pour que les principautés agissent. When the principalities on a fait même de, du temps un système. They make a time a system. On nous met les 12 mois. 12 months. On nous donne les jours des mois qui sont des adorations. The days of les jours de la semaine qui sont des adorations. Which are worshiping. On nous ajoute des signes astrologiques. We've got signs, astrological et beaucoup signs. De chrétiens qui ne savent pas ces choses. A lot of Christians who do not know ils these les things. Trouvent normal. They think it's normal. Ils se mettent sous les puissances de certaines principautés. They are going under certain principalities' curse. Alléluia. Amen. Et ça sera mon enseignement de dimanche prochain. That will be my teaching next Sunday. Don't miss. J'aimerais que tu puisses te lever. Please, I will urge you to stand up. Et que tu pries ensemble avec moi. I want us to pray together. Dis à Dieu. I want you to tell God. Les principautés. Every principalities. Toutes les dominations. Every dominion. Que l'ennemi avait levé that the devil contre ma vie et ma famille against my life pour and my perturber family, le temps to disturb pour perturber les saisons to disturb seasons ou pour and me space, bloquer dans la saison que tu me donnes que ces season. Choses soient brisées dans le nom puissant de Jésus. Tu vas commencer à prier I want you to pray. Mais prie en tapant les mains I want you to et dis Seigneur je les détruis et je les fais tomber au nom Lord de Jésus. Jesus, élevons nos voix, prions le Seigneur. Prie. Commence à prier, commence à prier. Clap your hand, pray. Dans le nom puissant cast de Jésus. Dans le nom cast puissant every power. De Jésus. Cast every principalities. In the name of Jesus. Est-ce que tu peux taper les mains? Les mains ne restent pas au même endroit. Tu peux même faire les 100 pas. Commence à regarder toutes les situations bizarres. Toutes les situations de blocage. Dans ta vie, dans ta famille. Ça peut être la stérilité. Ça peut être le divorce. Tout ce qui change ta joie en pleurs. Everything which is turning your joy into money. Break it down today. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. Oh no, Father, I pray. Je prie. And I stand against the principalities. Je m'agite contre toute principauté. Which have come to destroy my life. Toute domination qui vient pour to destroy your church. To destroy our families. Détruire nos familles. We break them down. Nous les brisons. In the mighty name of Jesus. Jésus. We do not deal with flesh and blood. On ne traite pas avec but le we are dealing with principalities. Mais avec les dominations. Cast them out, cast them out, cast them out, cast in them out. In the name of Jesus. Rababababa, sande kerebo shem.